Ces étudiants en art graphique s'activent pour terminer l'accrochage de leurs travaux. Dans quelques minutes, le jury de présélection du Crédit Agricole sera dans la salle pour découvrir leur campagne. Le stress monte, et pour cause, voilà des mois qu'ils travaillent sur ce projet. Objectif pour ces élèves, restituer le modèle coopératif et les valeurs mutualistes du Crédit Agricole à travers des visuels, une mission délicate. Sincèrement, c'était un sujet assez ardu pour eux parce qu'ils étaient absolument étrangers à ce monde et ils ont fait quand même des choses très intéressantes. À l'origine de cette compétition, un partenariat innovant entre la Fédération nationale du Crédit Agricole et l'école Penningen, une première collaboration qui a porté ses fruits. C'est un partenariat gagnant-gagnant, tant pour le Crédit Agricole que pour les SAC Penningen. C'est l'occasion d'être confronté à un univers qu'ils connaissent peu. C'est l'univers des services. Ils apportent une contribution originale qui peut être une touche particulière qui vient se collaborer, coopérer en fait avec nos réflexions publicitaires. Sortir des sentiers battus, avoir de l'audace, les étudiants l'ont bien compris. Pour séduire, il faut se démarquer. Résultat, les campagnes sont créatives, décalées et parfois loufoques. Le jury est séduit. Après un examen attentif des 40 projets, il rend son verdict. Les finalistes sont connus. Ils ont rendez-vous quelques semaines plus tard. Bravo. Bravo. Ils sont encore 11 en lice. Pour les finalistes, l'heure est venue de défendre leur projet devant un jury. 15 minutes pour expliquer et convaincre. C'était vraiment la valeur en fait de coopération et de mutualisme du Crédit Agricole. Pour les dirigeants du Crédit Agricole, cette présentation est l'occasion d'échanger avec les étudiants, mais également de partager les valeurs du groupe. D'abord, on a une tranche d'âge qui connaît assez peu le monde bancaire et qui nous l'exprime d'ailleurs, qui a été au départ assez surpris du sujet et qui finalement nous donne, après approfondissement, des idées tout à fait sérieuses. De leur côté, les étudiants, pourtant parfois réfractaires à l'univers de la banque, ont été séduits par l'organisation et les valeurs du Crédit Agricole. Je trouve ça super que vraiment il y ait vraiment l'identité des régions qui soit mise en valeur, parce que les gens sont très fiers de leur région aussi, sont fiers de leur spécialité locale, et je trouve ça super de vraiment pouvoir le mettre en avant. Voilà. Et c'est une banque qui essaye de se différencier des autres, mais d'une bonne manière. On sent que qu'il y a un bon esprit derrière. Quatre prix ont été décernés. Avec ce partenariat innovant, le Crédit Agricole ancre plus que jamais les valeurs mutualistes dans l'air du temps.